Et tout ce courrier, c'est l'ensemble des informations qui sont entre les mains de la préfecture. C'est expliqué très clairement, la résiliation d'un commun accord est envisagée dans le cadre de la conclusion d'une transaction au titre de l'un, c'est-à-dire un constat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Après, l'autre chose que j'ai dit tout à l'heure en commission, c'est une capacité de recours si jamais on est le mot, effectivement, du bas sur le parce que les services de l'État sont pas sur le code entier, sont pas problème, et qu'en fait, on n'est pas en capacité d'aller dans le projet. Et en fait, quelle garantie on a aujourd'hui de se retourner contre la société une fois qu'on aura signé le protocole? Aujourd'hui, je pense qu'on aura. Alors, sur les services de l'État qui sont parfois longs. Le rendez-vous en sous-préf, c'est la discussion avec la GCA, c'est lundi. Échange téléphonique avancé sur l'ensemble des projets. Mercredi midi, on est chez la sous-préfète. Alerte des services de l'État, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un lundi qui était férié. On est mercredi, ils savent qu'on a conseillé ce soir. Je pense que demain, on a toutes les réponses. Je sais pas. Moi non plus. Je pense. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de sujet, puisque, objectivement, tout laisse à penser que AGCA a mobilisé l'ensemble des moyens. Ils ont embauché une nouvelle personne qui a l'air, de prendre la mesure du dossier. AGCA, en fait, c'est plusieurs entités. Hein. C'est compliqué pour un groupe comme celui-ci de chuter complètement. Cette personne est là pour sauver vous. Ça passe par cette école. Ça passe par la réalisation de cette école. Ça fait qu'une semaine qu'on travaille ensemble. Je pense qu'il travaille et qu'il est au bon niveau. Il était aussi un interlocuteur qui n'avait pas le niveau, soit en termes de droit, soit en termes de compréhension de ce que tu vois. Là, celui-ci semble avoir le bon niveau. On peut pas être certain. Et d'autres, parce qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que l'on passe au vote? Il y a des pouvoirs ou pas? J'ai un pouvoir, monsieur le ministre, madame Jackson. Donc, suite à l'explication, est-ce que j'ai mis un secrétaire de séance ou toujours le secrétaire de séance? Est-ce que donc, sur l'ensemble de cette délibération, toutes les questions ont été posées, tout le monde s'est fait son idée, qui est contre l'idée de me permettre de faire une résiliation à l'amiable? Oui. Contre l'idée de faire une résiliation à l'amiable pour certains noms. On demande la totalité des noms. C'est une délibération, donc. Oui. Donc on est deux pour la totalité des noms. Donc, trois contre, qui s'abstient, deux abstentions, et la demande merci.
Voilà, c'était le seul sujet de cette délibération du Conseil. Donc la séance est levée. Je vous rappelle que vous avez des petits flyers en sortie pour le festival de musique et le concert commence. C'est lors de la fête de la musique, le 21. Et après, c'est tous les samedis.